Le saumurage de la viande. Le sel en solution va pénétrer plus rapidement et plus profondément la viande, ce qui va la rendre plus goûteuse, plus tendre et plus juteuse. De plus, la saumure a un effet préservatif. Elle tue les mauvaises bactéries. Le sucre présent dans la recette va équilibrer le goût du sel et augmenter la saveur de la viande. Enfin, c'est économique puisqu'on peut utiliser toutes les parties, pas juste les plus tendres. Et c'est santé puisqu'en utilisant les os, on va profiter de leurs bénéfices. Pour 4 litres de saumure, on va avoir besoin d'eau, de 200 g de sel et de 125 g de sucre. On peut aussi ajouter ail, oignons, carottes ou fines herbes au goût, ou selon l'inspiration du moment. Et bien sûr, de viande. Ça peut être de la viande rouge ou de la volaille. On commence par mettre les ingrédients dans un chaudron. Tous les ingrédients, sauf bien sûr la viande. On va amener doucement à ébullition afin de dissoudre complètement le sel et le sucre. Lorsque c'est fait, on laisse refroidir. On va ensuite déposer saumure et viande dans un contenant suffisamment grand. Ensuite, on insère le tout au frigo. Le temps de saumurage va dépendre du type de viande et de la taille des morceaux. On va ensuite retirer la viande de la saumure et bien l'éponger. En attendrissant la viande, la saumure a retiré tout ce qui restait de sang. Quelle demande de rôtir, braiser ou mijoter, votre recette préférée ne va être qu'améliorée.